Et salut tout le monde, Yo Cheyua, Balvatros, Magritor. Les amis, le moment tant attendu est arrivé. Les talents Warrior. Et donc vous savez que je suis main Warrior depuis toujours, ou presque, enfin en tout cas depuis que je stream, ça c'est certain. Mais ça fait de longues années, presque 10 ans que je suis main War. C'était un ancien alt, je vous l'avais expliqué. Et surtout main Arms. Et donc il y a de belles choses, de très belles choses côté Arms, j'ai l'impression. Donc c'est parti. On y va, je suis méga hype. J'ai regardé, j'ai pas pu en empêcher hier soir déjà. Hein. Sans vous, un petit peu, mais pas tout en détail. Hein. Bougez pas, attendez. Faut que je vous mette l'écran. C'est pas le bon wow. Passer sur l'alpha. Laissez-moi une petite seconde. Pourquoi ça marche pas hein. Bougez pas. Yo Mali, yo Psycho. Ouais, il y a de belles choses, hein, vraiment. Hein, côté Arms, même Fury. Fury Arms et même Prot. Je crois que le Prot et même. Attendez, tac. Il me le prend, c'est bon. Même le prot aura un arbre de talent DPS, donc ça peut rendre le prot encore plus viable qu'aujourd'hui. Il récupère même le, vous savez, le talent, le bonus de 7 qui me permet de faire des gros slams. Ils l'ont bake, ils l'ont intégré dans l'alpha, donc c'est assez insane. Ah bah là, chez UA, c'est... Enfin, vous allez voir, c'est très très gras. C'est très très bon ce qu'ils ont pondu pour l'instant. Après, Waz a déjà fait un tweet dessus, j'espère qu'il va pas nous le faire nerf avant que ça sorte. Je suis semi-sérieux, voire tout à fait sérieux, puisque presque à chaque fois qu'il a râlé, on se faisait nerf le Warrior, donc... enfin, le Arms, en tout cas. Parce que ça contre bien Rogue, mais bon, on verra, on va pas être mauvaise langue. Mais je me méfie de lui, il a déjà tweeté dessus. Mais c'était pas en mode râlage, pour le coup, il disait qu'on était très très bien conçu, quoi. Warport. Elle est où la blague, la Tender? Bon, les amis, regardez cette merveille. Les 3 SP, hein, de ce que j'ai vu, sur le papier, sont très très fortes. Hein. Et je vous dis même Prot, il y a des trucs à faire. Hein. Il y a une branche DPS avec une charge inédite, une charge bouclier. Hein. Un truc que j'ai sur Ezo, justement, et que j'ai toujours voulu avoir sur WoW. Shield Charge, ça s'appelle. Hein. Enfin bref. Évidemment, on va aller sur ma SP de cœur, hein, direct. J'ai fait des petits tests. On va reset. On va envoyer un Fufu pour qu'il arrête de tweet. Ouais, le problème, c'est qu'il va le tuer, c'est le meilleur rogue. Hein. Alors, objectivement. Donc... Guerrier à gauche, arme à droite. On est à la maison, on reconnaît plein d'icônes, plein de spells forcément. Déjà, qu'est-ce qu'on peut constater? Le retour des stances. Et oui les amis, Battle Stance, Death Stance, Berserker Stance. Alors celle-là, elle avait disparu depuis des lustres. La Death Stance, on l'a actuellement, mais c'est pas vraiment une stance. C'est un spell, c'est pas considéré comme étant une stance. Là, c'est vraiment les stances. Donc, bougez pas. Je vois que ça fait un bug graphique. Interface, c'est peut-être là que je pourrais le régler, non. Ah, un nouveau bug. Faut que je le remonte celui-là. Qui fait tout crash en termes d'UI. Ah ouais, Tender, tu vas loin des fois. Oh mon dieu, qui va loin. Échelle de l'interface, on va peut-être essayer de fixer avec ça. Peut-être un peu trop gros. Ouais, ils ont un bordel au niveau des stances et des spells. On voit qu'ils les ont intégrés. Bon, bref, vous le voyez, c'est le retour des vrais stances en bas. C'est juste que ils n'ont pas encore prévu lui pour quoi. Je sais comment je vais faire. Peut-être faire mode édition. Voilà, elle est bougée à la main. Stance bar, ouais, c'est le. Vous voyez, c'est le vrai retour de la barre de stance. Incroyable. Incroyable, les amis. Ah ouais. Voilà, c'est un peu trop grosse les icônes, mais pareil, on peut le customiser. Donc. Yoaz. Ah putain, franchement, je suis trop hype. Bon. Je vous disais, le retour des stances, déjà, pour commencer. Battle Stance. Une stance de combat équilibrée, comme à l'époque, qui augmente, mais elle fonctionne différemment, qui augmente les chances de crit de 3%. Pour un petit build crit, c'est très bien. Et réduit la durée. Oh, la durée des snares et des routes de 15%. Je pense que je serai tout le temps dans cette stance. Hein. À part si je suis en train de crever ultra focus ou quoi. Defensive stance. Alors, je crois qu'elle est toujours aussi à chier en PvP. On va l'utiliser hein, sur le mannequin pour le modifier. Ouais, voilà, c'est ça. Réduit de 10% les dégâts subis. Oui, c'est ça, subis. Et réduit tous les dégâts infligés de 20%. C'est la version très mauvaise de Shadowlands. Après... Ils sont en train de la travailler, vous voyez, il y a écrit TBD, WIP, Work in Progress. Je claim. Voilà.
Et la Berserker Stance qui a aussi changé, c'est pas celle de Vanilla, tout à fait. Alors, stance de combat agressive, qui augmente les dégâts des auto-attaques de 5%, et réduit les effets de Fear Sap et Incap de 15%. En sachant qu'on a toujours Rage de Berserk. Vraiment, moi, ma préférée, c'est Battle Stance. Pour Arms. Réduit les routes et les slows, et augmente les crits de 3%, pour moi, c'est absolument parfait. Vous savez que je fais souvent des builds crit en plus. Sur le papier, la Battle Stance, c'est la meilleure pour moi. En Arms, hein. En Arms. Peut-être même en Fury aussi. Hein. Je suis pas certain. On va peut-être plus swap avec la Berserker. Parce que le Fury, vous allez le voir plus tard, est vachement axé sur les auto-attaques aussi. Oh, c'est bizarre. L'exécute. Ok, je sais ce qui cause le bug, vous allez voir aussi. Oui, alors, on va en parler, Tender, mais je pense avoir compris pourquoi. Oui, même en Fury, ouais, je pense, hein. Je veux pas m'avancer, en fait, parce que je suis bien meilleur en Arms qu'en Fury. Mais je pense que Battle Stance, nouvelle version, elle est vraiment bis, quoi, pour l'instant. Pas sur le papier. Bon, vous allez voir les folies qu'il y a, hein. Il y a des folies dans tous les sens. Et donc, je vous disais l'autre jour que le Rhett allait être fort à Dragonflight. Ben je pense que Red War, ça va être encore une fois extrêmement fort. Pourquoi il y a mon chat et mes chats qui sont dans le bureau? Sors de là, toi. Allez, Jean-Phi. C'est Jean-Philippe, en plus. Bref. Niveau des talents. Généraux, commun à tous les War. Jeu de jambes. Vitesse de déplacement augmentée de 5%. C'est un bonus, hein, en PVP. On peut dire pourquoi pas. Cri de ralliement. Indispensable, hein, pour sauver les mates. CD de 3 minutes. Ça a été un peu nerf. Parce qu'il n'y a plus le talent. Ah non, on aura peut-être encore le talent PVP. Hein. Et le boost. Alors, si on garde maître à bord, ok, ça peut le faire avec cri de ralliement, sinon c'est 3 minutes. Oui, oui, bah oui, il y aura la pari en furie, mais on va en parler. Interven, on fera le choix entre second souffle, second wind et Interven. Bon, hein, je crois qu'il n'y a pas photo. Second wind, si c'était la version mop, ce serait bis, mais là c'est à chier. Oui, 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 il y aura deux défensifs en furie, Tender, on va en parler aussi. Donc. Interven, on va dire. Berserker Rage, évidemment. Ponction. En général, c'est assez moyen en PvP, c'est nerf, donc je pense pas que ce soit pris. Présence inspirante, c'est actuellement un conduit très fort. Et là, on a une merveille, les amis. C'est Double Time et la Bolt. Quelque chose qu'on réclame depuis très longtemps. La Bolt, on fait le choix avec lancer titanesque. Alors ok, des fois c'est bien pour empêcher un rock de fufu ou d'autres utilités. Mais avec la Bolt, il n'y aura pas photo. Donc c'est Bolt à tous les matchs, normalement. Alors, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... T'en as reset aussi. Ça veut dire que vous allez faire Death Stance, Battle Stance, Zerg Stance. Et encore, je suis même pas sûr. Hein. Même pas sûr en vrai. Hein. Là, sur le papier, je vois aucun bénéf à la Zerg par rapport à la Battle en Arms. Mais bon, yo Dwight. Sur le papier, je vois aucun avantage par rapport à la Battle Stance. Allez, on va dire qu'on la prend parce que c'est Whip qui vont la refaire. Ouais, on a été plus que gâtés, Dwight. Je vais montrer aux gens au fur et à mesure, vous allez vraiment halluciner, chat. Donc, cri de ralliement. Présence inspirante, là tu sauves vraiment tes mates avec ça. Bolt, double time, voilà, tout ça, indispensable. Hein. Vous verrez tous les wars avec ça, je vous le garantis d'avance. Réflexe affûté, je trouve ça fort. Réduit le cooldown de kick et d'overpower. Donc voilà, kick plus souvent, très fort. Massacre en arms, je le vois indispensable aussi. Donc on va dire qu'on prend le reflect aussi, évidemment. Qui a un léger changement, il me semble. Ça réduit tous les dégâts magiques de 20% pendant 5 secondes. Et je crois qu'actuellement, il faudrait que je relise de tout le type. Mais quand t'as consommé ta charge, t'as plus l'effet du tout. Là je crois que tu gardes l'effet anti-magie. Bon bref. Donc interv, reflect, fear, évidemment. C'est trop tôt, mais quand tu as rien, tu vas être actif. Ouais, c'est rien ça, Osnich, je suis sûr. Mais Osnich, ton nom me dit un truc, t'as pas un mage... Ça me dit un truc, ton pseudo. J'ai croisé à Auribos, peut-être que je confonds aussi. Donc, je vous disais. Ah oui, on a le Thunderclap, qui est normalement au prot ou à tous les wars à venir. Mais bon, pour l'instant, faut voir. C'est dans une melee cleave, je suis même pas sûr. Ensuite, on a des nouveautés. On peut prendre soit Rend... Soit on peut prendre douleur et récompense. C'est l'équivalent du conduit qu'on a actuellement à toutes les classes sur Shadowlands. Heal de 4,50% toutes les 10 secondes. Je pense que ce sera Rend quand même. Ça veut dire qu'on peut avoir Rend et Massacre en même temps. Non mais imaginez la folie. On peut, contre les compos à gros dégâts physiques, augmenter l'armure assez massivement.
toute façon, on doit le prendre pour Paris, indispensable. Okay. Ça, je pense que c'est pas indispensable du tout, le cri cacophonique là, enregistrement cacophonique, c'est un conduit qu'on n'utilise jamais. War Machine, ah là aussi, il y a une folie. Vous pouvez choisir soit le self-heal, soit le piercing hole. Ça va être un choix difficile à faire en vrai. Mais en réalité, si t'es dans une compo qui slow beaucoup, puis de toute façon, normalement, tu brises genou, tu prends le self-heal. Ça veut dire que tu peux faire double charge, Stormbolt, self-heal, rend, massacre. Enfin, oui, Yerus, c'est plus que prometteur. Ouais. Pour l'instant, le Warrior, c'est une folie. Hein. Les autres classes sont un peu jalouses, hein, même. Donc, admettons, self-heal. Bon, le lac... Alors, le Shatter, j'ai l'impression qu'on n'enlève plus les immunes. Si je lis le tooltip, je crois que les mages et les pales vont respirer un peu. On peut plus casser les bulles. Hein. On peut plus casser les ice blocks. Et les bops, j'ai l'impression. Donc j'ai eu le tooltip, hein. Je sais pas ce que vous comprenez vous, mais bon. Ensuite donc, rage de Zerk. Cri de Zerk, j'ai l'impression que c'est un anti-fear, sap et une cape de zone. Pour ton groupe, c'est ça que j'allais te dire, Tender. Si c'est ça, c'est très très fort. Ton heal se fait fear dans un moment qui pue, tu fais un cri de Zerk et t'enlèves le fear. Ouais, ok, Dorky, mais le problème, c'est que tu dois faire le choix avec marche bondissante. Et quand tu te focus, que t'as besoin de leap out, de kite et tout, c'est assez fort en ce moment. Moi, c'est ma théorie, hein. Regardez, rage de Zerk, cri de Zerk. Et un cri, c'est quoi? C'est quoi les cris d'un Warrior? C'est un AOE. Ah ouais, t'as des très gros choix à faire en arms. Non, mais c'est la folie, et même Fury, et même Prot. Je vous dis, les 3 spé sont très 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 fortes sur le papier. Le cri est utilisable quand t'es CC. Je pense pas. Je pense pas. Mais enfin, je sais pas en fait. Faudrait faire des tests, mais pour l'instant, c'est pas un cri. C'est en train d'être travaillé, quoi. Alors, ici, j'ai pas vu de folie furieuse. Ça osef, on va dire. Maximum de rage, hein, c'est toujours intéressant, mais bon, en réalité, on est sur retail, donc on a tout le temps de la rage, on est tout le temps capé. Vos techniques consomment de la rage, ont 20% de chance de rendre 20% de la rage dépensée, c'est plus le même principe. Franchement, on est rarement en galère de rage, hein, dans l'état actuel du jeu. Je trouve que l'arbre de droite est le plus faible là actuellement, en général. Même le roar, et même ça en fait. Moi, je vous dis sincèrement, je pense que tout cet arbre en armes pue la merde. Voilà, à l'état actuel. Vous allez comparer avec ce qu'il y a à gauche, hein, vous allez comprendre. Attends, Darky, on y part, on y part. On va y aller. Alors, on va dire que là, sur le papier, l'arbre de droite pue par rapport au reste. Ici, j'en parle même pas. Il y a la parry, il y a duelliste, il y a. Enfin, vous allez voir, vous allez voir. Donc. On va dire que on fait pas un truc sur opti pour l'instant, on prend War Machine là. Dégâts de slam. Bon, ça c'est que des trucs qui boostent le Thunderclap. Je trouve pas que ce soit très très fort pour du arms. Alors on va dire force accablante pour faire plus de dégâts de slam. Quant à MS et Overpower en CD, exec pas dispo. Non justement, Seb, on n'est pas en galère de rage donc voilà. Alors maintenant, on peut augmenter soit la ponction de 10%. Et ça s'appelle spécialisation d'armes à une main. En arms, je vois pas trop. Attendez, je vérifie un truc. C'est moi? Attendez, attendez, on va vérifier un truc. Bon, là, ils ont repris le Dauntless Duelist. C'est un conduit de 20 tirs. Commun à toutes les classes. Je pense que c'est fort aussi. Ça augmente tes dégâts 3% contre ta cible. Contre ton adversaire, en fait. Alors, admettons qu'on prenne Duelist. Et derrière, on va prendre. Voilà, la Zerk. Donc, contre une compo avec beaucoup de dégâts physiques, tu peux faire hein, armée jusqu'aux dents, 10%. Enfin, là, pardon, c'est l'armure qui augmente la force, donc c'est des dégâts en plus. Là, tu peux augmenter l'armure, il y a une synergie entre les deux, de 30% de ta force. Ça a besoin de tanker plus contre du physique. Hein. Ah, tu peux monter à 60%. Ok, contre compo Hunter Rogue, par exemple. Encore que les Rogues ont des dégâts magiques aujourd'hui, mais. Allez, contre Warrior Hunter, je dis n'importe quoi. Je peux prendre ça. Plaque renforcée. Ah, c'est bien ce qui me semblait, Seb. C'est pour ça que j'ai bugué un peu dessus. Tu peux augmenter tes PV. C'est deux talents pour tanker de 10% ici. Tu peux hériter de l'onde de choc. Donc un CC de plus, un peal de plus. Ton priest se fait casser la gueule. Ton raid, j'en sais rien. Tu peux faire un stun de zone contre une melee cleave, d'accord? Voilà. Je pense que ce sera pas tout le temps, mais tu peux le prendre. Immunité amère, ça vous savez ce que c'est en réalité, je le reconnais, c'est la fiole Kyrian. Tu peux prendre la fiole Kyrian dans toutes les spé Warrior. Te heal de 20% et enlève maladie, poison,
Malédiction et Bleed. C'est très très fort, Immunité Amère. Je pense que ce sera pris tout le temps, ou quasiment tout le temps. En tout cas, sur le papier, ça sera fort. Ensuite, t'as Avatar. Avatar Tiflette, indispensable. Bon là, vous voyez, j'ai beaucoup de choses défensives, donc on va faire ça. On peut augmenter le crit pour mes builds crit, encore une fois. Si tu prends la Battle Stance, tu peux augmenter ton crit de 4%. Et tu peux... Alors ça, c'est bizarre. Je suis très étonné. Parce que spécialisation arme à deux mains qui te donne dual wield, il y a un problème. Je pense que c'est ça qui te permet justement d'utiliser les armes à deux mains. Il y a une erreur dans, dans le texte. Dans le texte, je pense. Ouais. Ouais, si on veut, Tender. Mais déjà, ça c'est pour si tu joues donc une arme à deux mains. Je pense que c'est un truc pour les arms. Spécialisation d'arme à deux mains. Et à côté, t'as la Spear of Bastion. La putain de Spear, les amis, de Shadowlands, qui est quand même très très forte. La Spear est en natif chez tous les Warriors. Mais du coup, est-ce que si tu perds des dégâts à l'arme de main, tu peux prendre Avatar? Ah, il y aura des choix à faire. Hein. Tu peux prendre la Spear boostée, le Verdict transperçant, c'est un conduit. Ah, ou le légendaire Spear de Shadowlands, puissance élyséenne. Donc la Spear 8... Oh là là... Non, vous allez voir aussi. Lisez bien le tooltip. Les dégâts de vos coups critiques sont augmentés de 25%. Retenez ça. Après, je vous dis encore une fois, à droite, ça me paraît pas sexy à côté de la gauche. Hein. Vous avez aussi, après Avatar, la Chevalière des Rois Tourmentés. Un très très bon légendaire actuel. Que j'utilise en Fury, notamment. Et ça, pareil, ça booste le coup de tonnerre. Je trouve pas ça fou. Plutôt pour les protes. Mais en gros, vous avez ou la Spear... ou Avatar et Chevalier. Et je pense qu'il y a peut-être moyen même de prendre les deux en faisant les choses bien. Quoique, c'est pas sûr. Peut-être la Spire moins forte. Ouais, voilà. Tu peux prendre Spire et Avatar, mais du coup, tu perds le Lège. Oh, il va y avoir des choix de fou à faire. Hein. Oh là 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 là. Moi qui voulais un retour d'ancien talent pour passer des heures de réflexion. Ah non, mais tu peux faire des talents de malade. Bon. En gros, déjà, rien que là, sur le papier, t'as un Warrior de Shadowlands en plus fort. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Donc admettons. Là, on est sur du warrior normal. Et je vous dis, là, on n'a pas vraiment réfléchi. On peut faire de la Spear avec Avatar ou de la Spear améliorée ou de l'H à deux mêmes boosté. Et je suis pas au niveau max. Trop de choix, c'est... Non mais, vous avez rien vu ? Vous avez rien vu ? Vous allez voir en Arms. En Arms, j'ai crié devant. Donc, Arms, c'est une putain de dinguerie. Vous allez voir pourquoi. Vous prenez MS, ok ? Voilà, ça va m'apprendre les spells. Alors déjà, je vais vérifier un truc. Est-ce qu'ils sont revenus à Vanilla pour ça? Y a pas une arme à... Une main... dans ce tas de merde là. Voilà. Est-ce que... Ça m'étonnerait, hein. Ok. Ok. Je croyais qu'ils avaient remis la MS comme à Vanilla, où tu pouvais utiliser une arme à une main aussi. Je voulais tester un truc. Bon, la MS te force toujours sur l'arme à deux mains, ce qui paraît logique. C'est le talent vraiment... signature de l'arme à deux mains et du arms. Et il manque 10 points, ah oui, il manque 10 points, c'est vrai, oui. Donc en fait, tu peux avoir chevalière, spire amélio et. Ben c'est ça en fait. Avec 10. En fait, avec tous les points, je me prends ça. La chevalière et. Non, puissance élyséenne. Et je vous dis que l'arbre de droite, je l'emmerde un peu quoi. Voilà, ça va être une folie. Donc, je vous disais. Oui, j'ai même pas pris le leap. Il y a le leap aussi à prendre, mais voilà. Avec les 10 points, ça se fera. Ouais. Ouais, clairement. Alors, niveau arms, tu as Fulgu, évidemment, overpower, hein, bien sûr. Talent mythique du warrior. Tacticien, bien sûr, c'est un passif actuel de arms. Ouais, je pense que ça doit être. Tu peux encore augmenter les dégâts d'Heurtoir et Tourbi, mais je pense que c'est pas très très fou. Improved Execute, pardon, pas Improved. Pour le... Ben ça évidemment, c'est l'Execute du Arms uniquement, c'est pour que l'Execute soit spammable. Coup Exaltant, pour que la MS Self-Reset, très intéressant aussi. PVP, oui, WX, qu'est-ce que tu veux dire ? Yoelek. Ensuite, vous avez Martial Prowess. C'est un... Alors ça, si je dis pas de bêtises... Ça, c'était un truc de Légion ou BFA. Ou de l'Azérite ou un trait d'artefact Légion. Mais ça revient. Mort subite, hein. Sudden Death. Alors là, pour le coup, tous les Warriors le perdent, à part le Arms.
Sudden Death. Luffy le perd du coup. Encore une réduction de pommel, donc on va avoir un kick beaucoup beaucoup plus court en CD. Parce que j'ai cumulé deux talents de kick. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon kick il passe à... ...12 secondes de CD. Légion me semble aussi, ouais. Donc on a le kick qui passe à 12 secondes de CD. Pas mal hein. Donc kick plus court. Ce sera la plus souvent du coup. Attaque circuit, évidemment il le faut en arena. En vrai contre les melee cleave, mais on pourra peut-être le virer contre les double casters évidemment. Je pense qu'on pourra ne pas prendre cleave. Frappe du colosse, Colossus Smash, évidemment. Dégâts collatéraux, c'est pas utilisé actuellement. Ici vous pouvez booster votre attaque circuit. Punition, je pense que c'est très fort. C'est une reprise du principe de Condemn. Vous savez, condamné en 20 tirs. Mais qui devient utilisable en arms. Je pense que je le prendrai tout le temps. À la place d'abus de faiblesse, clairement. Ici, c'est pour que les effets de saignement te rendent. Enfin, te filent de la rage. Bon, une fois la rage, on n'a pas trop de problème de rage. Donc, admettons. Tu fais. Ah, ça, c'est le retour d'un trait d'Azerite aussi. Quand ton Colossus Smash expire, tu gagnes 1% de force. Pour tous les 10 points de rage consommés pendant Colossus. Donc en gros, ça booste ta force pendant ta fenêtre de burst. Et ça dure 12 secondes. Voilà. Ou mise à mort, c'est un talent actuel du Warrior. Arms, si je me trompe pas. Arms, c'est sûr, et les Fury, je sais plus si long, je crois pas. Donc, on va dire, tu prends mise à mort. Tu augmentes les dégâts de TMS de 20%. T'as maîtrise de la rage aussi, un talent très très fort, qui est sur tous les wars actuels de Shadowlands. Ok, donc tu auras plus souvent ton Colossus Smash et ton Blaystorm, ça réduit les CD. Mastodonte, sous une nouvelle version, c'est pas la version de Shadowlands, mais en gros plus tu exécutes, plus ça augmente tes dégâts d'exécute. Je suis monté jusqu'à quasiment 30% de dégâts d'exécute hier. Avec tous les modifieurs, je pense qu'exécute va être extrêmement dangereux. Cleave, c'est à chier. Avoir contre les melee cleave avec le boost, mais ça m'étonnerait. Vous avez aussi. Qu'est-ce que je pourrais prendre là? 4 more points. Ah oui, attendez, je vais vous montrer un truc. Le retour de Empalé, Impale, talent de Vanilla. Donc, les dégâts crit augmentent de 20%, ok? Lisez bien, de 20%. Ici. Attendez, c'était où? Là. Les dégâts crit augmentent de 25%. 25%, 20%, et en bas, je vous spoil, augmente les dégâts critiques de 20%. Réalisez toute l'augmentation de dégâts critiques que je viens de vous montrer. Si vous cumulez tous ces modifieurs, et que vous cumulez les trucs d'exécute, je pense qu'on va avoir des exécutes à 100k par tir, j'en sais rien, mais ça va être absolument colossal. Colossal, les modifieurs d'exécute. Je pense que mec à 20%, enfin à 35 avec Massacre, il aura de grandes chances de mourir si tu chattes un peu sur un énorme crit avec les bons modifiers et les bons talents. Si, Alcazar, on va en parler. Le problème, c'est qu'il est à gauche, et je vais vous montrer un truc. En gros, bon, disons on vire Impel, même si moi ça me plaît beaucoup, je pense que je le prendrai. Serenity aussi, un gros talent actuel de Shadowlands. Boost d'Overpower, Cuirassé, qui est un talent de fin d'arbre de Shadowlands. Vous savez, ça permet à Fulgu de faire des dégâts de zone et d'avoir deux charges aussi. On le prend tous actuellement en arms là, sur Shadowlands. Le cuirassé. Donc, il y a aussi Seigneur de Bataille, qui est un légendaire actuel de Shadowlands, qui te permet d'avoir une MS beaucoup, beaucoup plus souvent. En gros, t'as ta Mortal Strike bah, avec un uptime de fou. Et t'as une nouveauté qui s'appelle Fatality. Regardez la folie. Utilisation de la MS contre les adversaires ayant plus de 30% de PV, leur maximum de points de vie, pardon, a de grandes chances d'appliquer fatalité. Quand l'adversaire tombe sous 30% de son maximum de points de vie, votre prochaine exécute inflige des dégâts supplémentaires. Alors ce sera pas 1400, bien sûr. Fatality, si tu cumules tout ce qu'on vient de voir, ça va mettre à des exécutes gigantesques. Vraiment gigantesques. Ensuite, attendez. Là, ça va être vraiment difficile de choisir parce que. Il y a. Bladestorm ici,
Vous savez que j'aime bien, comme beaucoup de warriors, faire des pré-blastorm. Quand je vois que je vais me faire KS pré-blastorm, je me fais pas stun. Pré-blastorm un ship, pré-blastorm j'en sais rien, moi, un cyclone, enfin voilà, éviter les CC. Ça fait quand même des gros dégâts de cleave. Le problème, c'est que vous avez Warbreaker, notre plus gros burst en AoE. Okay. Vous avez une nouveauté, Skull Banner. Okay. Attendez, je vais virer cette merde là. Admettons, je fais ça, ça. Ah, two more points. Sors-moi Swarb, ça aussi c'est. Bon. Là, j'augmente encore mon crit de 4%, ok. Battle Stance 3%. Et là, j'avais du crit amélioré aussi, je sais plus où. Là, 4% encore. Putain, mais tous les crits cumulent, tout ce que j'aime, quoi. On va pouvoir vraiment faire des builds crit insane. Hein. Entre l'augmentation des crits et les damage crits. Skull Banner. Ça, on va nous aimer pour ça. Hein, pour les classes qui font des gros dégâts, enfin qui jouent beaucoup sur le crit. Comme, le, je dis n'importe quoi, les LM, en Thunder peut-être. Clin d'œil à ceux qui jouent Thunder. On pourrait envoyer une bannière qui augmente les crits damage de 20%. C'est un peu notre Sky Fury en fait. J'ai même pas vu à quoi ressembler, je vous avoue. On va la regarder. Skull Banner. On dirait le skin de la banner actuelle. Ah non, il est recoloré. Bannière du crâne. Augmente les critical strike damage. Encore de 20%. Ouais, non, mais. Je vous jure qu'il y a moyen de faire un build où tu fais des dégâts crit énormes. En fait, admettons, tu montes à 30% de crit. Et à chaque fois que tu vas crit, tes dégâts, tes dommages critiques seront énormes. Et donc, si tu cumules Sky Fury, je sais pas s'il existe encore ADF, hein, Skull Banner et tout l'arbre. Je pense que tu mets un LM et un War ensemble. Ça va être n'importe quoi. Ou un mage, ouais. Sur la combu. Parce que on sait très bien que Fire Mage est... Oui, mais c'est ça, c'est ce que je disais, Tender. Si tu cumules Sky Fury, Skull Banner et tous tes modifiers de damage crit avec la spear, là... Oh. En gros, admettons, tu setup, ok, tu bolt un mec, tu le spear derrière, tu Skull Banner. Si tu envoies un crit dedans, dans la spear, en fait, je pense que tu lui arraches la tête. Je pense que tu l'arraches la tête. Tu lui mets un crit à plus de la moitié de ses PV, je sais pas. Je sais pas les values après, hein, ça va être tuné tout ça, mais... Ça va être une folie. Donc Warbreaker, Exploiter, c'est un légendaire actuel, utilisé... utilisé en 20 tirs, hein, quand 20 tirs, avec Conden. Mais bon. Ouais. C'est pour booster la MS quoi, mais bon, non. Ouais, mais le truc, c'est qu'après Exploiter, tu vas pouvoir le faire marcher avec punition. Oh, ça va être une folie. Ça va être une folie, Arms, je vous le dis, hein, vraiment. Ouais, je vous le précolle, c'est pas très difficile. Hein. Arms S-tier, hein, à Shadowland. Vraiment. Donc, admettons. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux virer encore qui pue? Si je fais... Attendez. On vire complètement le cleave. Et on fait ça. Ça. Un point. Un point à claquer. Claquer, pardon. Je vire mise à mort. Non, attendez, je vais garder mise à mort. J'essaie juste de faire un truc. Arms full critique, je pense que je vais faire des build crit de folie furieuse. Je m'y vois déjà en fait. Hein. Comme je vous l'avais call sur la bêta ou l'alpha de Shadowlands, ça a été fou crit après en arène. Et crit c'est toujours très très bien d'ailleurs en arme. Mais donc je vous disais, attends, on est winner, fini. One more point. Y'a pas une merde là que je peux faire un truc inutile hein. Arm point available 6 6. J'essaie de pas prendre de pourri avec. Ça aussi c'est fort mine de rien. Allez admettons on fait ça. Storm. On a déchaînement aussi. On a un légendaire actuel qui est très utilisé par les armes les plus bourrées. Qui te permet de balancer 2 MS quand tu fais un Storm. Donc ça fait un burst très dangereux. On a le retour de certains trucs de Vanilla.
L'utilisation d'épée ou de hache à deux mains augmente les dégâts crit de 20%. Les chances de coup critique d'exec de 10%. Encore du damage crit. Vraiment, le arm, il va jouer sur le damage crit à fond, quoi, j'ai l'impression. Ou alors, vous avez l'arme contondante. Masse et arme d'ast. Augmente la durée de Colossus Smash de 30%. Je suis plus fan de lame affûtée. Moi, je sais pas vous, mais... on va dire lame affûtée. Et attendez... je vérifie un truc, mais... Jay-Z, il avait fait un test aussi. Attendez, tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Jay-Z avait fait un test qui était intéressant aussi. Il y avait Bloodstorm et Warbringer dans son truc. Ouais, voilà. Ah oui, mais non. D'accord. Il l'avait fait sur le simulateur 70. Ouais, voilà. Putain, ça va être une folie. Avec 70 points, en fait. Enfin, avec tous les points, pardon, du 70, tu peux prendre Déchaînement, Lame Affûtée, Warbringer et Exploiter. Et la Skull Banner. Waouh, c'est une folie. Je vous montre le screen, en fait, qu'il a fait sur un simulateur 70. Ah ouais, non, mais c'est ça, Romstar, c'est ça. Regardez. Il a l'Aspire, la... comment dire, la bague des rois. Pff, t'as quasiment tout en fait. Je pense que t'as tout en fait en arms. Bondisseur amélioré. Là, c'est un simulateur avec point 70. Hein. D'autres encore. Ah, merci ça. Je savais pas, d'accord. J'ai pas regardé, je t'avoue. Merde. On va marteau avec un rôle, l'ennemi est tout nu. Non, mais ça va être une folie. Ça va être une folie. Folie. En fait, ouais. T'as quasiment tout en arms. Il y aura des petits choix à faire, évidemment, mais... Oui, c'est la fin. Oui, bien sûr, Finlas, bien sûr, bien sûr. Avec les nouveaux vieux talents, parce que ça reprend du Vanilla et ça reprend du Légion, BFA, Shadowlands. Et on disait à quel point arms, ça va être une folie en PvP. Une folie furieuse. C'est lui, j'imagine. C'est lui pour te booster 68. Après, j'ai pas envie de partir à Tadrasus. J'ai pas envie de me spoil. Je ferai la découverte sur le live, je pense. Jack Fury. Oui, oui, oui. J'ai regardé très vite fait. Il s'appelle vraiment Quête Zer Tauren. Zer comme... Non, c'est pas possible, c'est pas cette ref. Bon, bref. Tac, tac, tac. PDF direct. Ouais, allez, vas-y, je vais faire ça. Ah, il m'a laissé là. Très bien. Non, l'enfoiré. Je vais TP. Je veux pas voir. Ah, il me cachait les yeux. J'ai pas peur que des classes aient tous ces talents déjà qu'elles aient les yeux. En fait, ça va dépendre des values. C'est la première fois que je regarde Dragonflight. Je vous jure, je fais ça à chaque bêta, vous le savez. On regarde que le PVP à chaque fois. Et je veux découvrir le jeu en live avec vous. Mais c'est magnifique ici aussi. Ah, retenez-moi. On dirait des zones à la Northrend, à la Vanilla un petit peu. Ça a l'air magnifique, hein. Je me casse. Alors. Excusez-moi, j'étais interrompu hier, là. Non, c'est... Ah ouais, ça vous fait penser au Ventir. Bah, j'ai pas vu en détail, alors je regardais juste surtout les arbres, je vous avoue. Donc du coup... putain. Donc tu peux prendre. Comment ça traite, opération failed. Comment ça? Il faut tout reset? Ça a fait bugger, peut-être que je sois passé en... Ah... Bon bref, vous avez saisi l'idée. Hein. On peut faire des folies furieuses. Hein. Donc je pense que Arms PVP ça sera S tier. PVE j'en sais rien. Attaque de bébé, ouais, vous avez entendu. Il est arrivé d'un coup en courant. Mon fils. Attendez, tac tac tac. Grosse déception pour la fureur d'Odin. Ça pue sur le cri de bataille 100%. Non, je pense pas, hein. Moi je pense pas. Hein. À voir, hein. On va en parler aussi de toute façon. Mais en gros voilà, il y a des folies à faire. Alors du coup... Parce que moi je suis un fan d'Empaler, hein, Impale, parce que vous savez que j'adore le crit et les dégâts crit. Ah ok, ok Seb. Donc, attaque circuit. Execute sinon... Punition, il me paraît indispensable aussi.
Tac, tac. Tac. Je fais pas l'arraché, je veux juste voir les possibilités. Le Whirlwind boosté peut-être contre une Melee Clé, il peut être fort en arène aussi. Hein. Et putain, même en BG, ou en World PvP, j'en parle même pas. Quand je ferai mes events de masse, je suis trop hypé en fait. Le pire, c'est qu'il n'y a pas les nouveautés War Mode encore. Hein. Moi, je pense que je vais disjoncter hein, sur Dragonflight. Hein. Entre le War Mode, le nouveau Warrior, le lore, les zones, le bestiaire, la vanilla. Tout ce qui nous prépare en fait, quoi. Ça a l'air cool pour l'instant. J'avais pas du tout le même avis sur Shadowlands au même moment, quoi. Je m'en rappelle. Hein. Parce qu'on faisait des retours sur le Discord de Warcraft, on gueulait déjà. Hein. Longue histoire, bref. Oui, donc. Admettons, tu prends ça. MS boosté, tu prends ça. Ah ouais, donc t'as Rage Mastery. Putain, ça va être tellement fort, Warrior. Prends ça. Hit. Pff, déchaînement. Bah, Exploiter, tant qu'à faire, hein, puisque t'as les points. Non. Je vais faire ça. Ouais, voilà. Putain, c'est de la folie. Et en fait, si tu peux prendre Exploiter, parce qu'il manque 2 points, je suis 68, pas 70. L'arbre de gauche, il y a Fatality qui m'excite un peu. Le problème, c'est que. Pardon. Fatality, à côté de tout ça là, bon, voilà. Hein. Moi, je me vois pas jouer sans Blaze Storm, Warbringer, même la banner Skull, quoi. Et tiens, tu peux Skull banner un Rhett aussi, quand il burst. Oh là 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 là. Il faut pas qu'il soit. Ouais, faut pre-stun hein, quand même. La banner, elle est fixe, quoi. Quelle folie, les amis. T'as combien de crit sans stuff? 22. Mais il doit y avoir du crit sur le bordel, ouais. Bon, mais vous l'aurez compris, hein. C'est. Moi, je pense, objectivement, il faut le dire aussi, hein, que Fatalité, c'est un upgrade raid. Ouais, même en PvP, pas que raid. Je pense que Arm, c'est le meilleur arbre de talent qu'on ait vu actuellement, donc je peux pas râler. Je pense que c'est le meilleur, la meilleure spé, la meilleure classe qu'on ait vue actuellement. Faut le dire aussi. Hein. Je vous le dis quand Warrior pue la merde, mais je sais vous le dire quand c'est fort. Et je pense que c'est très très fort. Bon, j'ai juste un point qui me chagrine un peu, c'est que je fais que leur dire, mais. Ils nous ont toujours pas rétabli l'animation de jump sur la MS et l'exec en humain. Je me suis rendu compte après plein de tests que seul le Tauren avait encore sa vraie animation spéciale à deux-mêmes, mais bon, voilà. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est juste un swing à la con MS, alors que le Tauren il fait encore son jump. Oh là là, bah ouais, t'es encore. Odin Fury. Odin Fury, c'était le meilleur truc en Fury possible, tous les Fury de 10 ans. Ah, ça va être une folie. Ça va être une folie, y a rien d'autre à dire. Ah, regardez les dégâts d'exec. Bah, j'ai pas mes binds, hein, c'est l'alpha. Hein. Ok, 3%. 6. 9. 12. 15. 18. Oh là 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 là. Donc si tu cumules tout, les dégâts crit et tout. 21. 24. Voilà. 27. 30. J'ai oublié que ça stackait autant. Quoi? Attendez, quoi? Yeah. C'est pas possible. Ils ont oublié de le caper, non? Attendez, attendez, attendez. Ils ont changé le cap. Ah, ils ont changé le cap, Albaï. Ils ont changé le cap. C'est plus le cap de Shadowlands, c'est ça que t'es en train de me dire. Attendez, quoi? C'est con que j'ai pas de cam, là, vous verriez ma tête. Hein. Je vous l'achète cette putain de cam d'ailleurs, je voulais toujours dire. Ouais, ils ont changé le cap en fait, c'est 20 maintenant. Sur Shadowlands c'est genre 8. Dégâts d'exec augmenté de 60%. Donc si tu crit avec tous les modifiers, oh là 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 là. Je prends un screen ça parce que c'est monstrueux. Oh là 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 là, Mastodon c'est une folie. Bah, Mastodon c'est pris direct en fait, hein. Il sera dans mon arbre Dragonflight bah, cache en fait quoi, c'est... Avec Warbreaker, avec tout les dégâts que tu vas faire. Skull Banner, enfin bref. Bon, on va aller voir les collègues Fury un petit peu. On l'a vu, Arms sur le papier, S tier, folie. Ouais, aussi Flock. Alors, Fury, que je connais aussi, hein, je suis monté en Fury. Pas autant qu'Arms bien sûr, mais je connais. Je suis monté 2k4 ouais, quelques MMR en Fury. Sur cette saison. Mais je connais moins bien qu'Arms, hein, donc vous me direz si je dis des bêtises.
Donc, coup déchaîné, indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on note? Paris et Regen enragé. Je trouve ça limite injuste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Warriors, Fury, auront deux walls. D'accord? Ils auront les deux walls. Ils auront les deux putain de walls, les enfoirés de Fury. J'invente rien. J'invente rien. Voilà. J'ai mis la Regen, j'ai mis la Paris. Fury va devenir beaucoup, beaucoup plus costaud contre une melee cleave. Ils ont les deux walls. J'espère même que ce sera pas méta, Fury. Enfin, si, méta, mais égal arms, parce que j'ai pas envie d'être obligé à jouer Fury encore, comme à la saison 3 de Shadowlands. Vous allez avoir la Death Stance, la Parry et la Regen enragée. Vous allez avoir, ça j'en parlais avec Useless Bro, la Fureur Revigorante, donc un boost de la Regen enragée. Ça va durer 25% plus longtemps et ça va te healer un stat de 20%. Au secours. Au secours, au secours. Ah, vous gardez Sudden Death. Je pensais que c'était que Arms, mais en fait, il vous le garde dans les talents. Et ce... Ouais, mais Second Souffle, en fait, si c'est comme... Attends, mais vous avez aussi le... la victoire imminente, du coup, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. La... Ça va faire très peur, Fury. Ça va faire très très peur, Fury. Moi, je vous le cache pas. Après, il faut voir si en talent PVP, ils gardent... Je pense qu'ils vont le garder... comment ça s'appelle? Abattoir. S'ils enlèvent sa KG, la grosse MS ou qu'elle est nerfée, bon, l'intérêt sera plus limité. Mais, non, mais moi qui suis main war, là, je vous dis, j'ai une érection qui a soulevé le bureau, elle est au niveau de mon plafond à peu près. D'ailleurs, faut que je baisse le bureau du coup. Voilà, je me fais emmerder. Warpaint, gardez. Utilisation du chaos. Ok, ok. Ok, amélioration de booster. Du coup, j'ai pas regardé Fury vraiment en détail. Ok, ça c'est un conduit. Donc, allez, Sudden Death, on va dire. Vous avez le cooldown réduit de Pummel. Enrage amélioré, bien sûr. Coup déchaîné amélioré. Ça, c'est un. C'est du set. C'est le set actuel de la saison 3. Ok. Warprot aussi. Il y aura des Warprot PVP possible. On va en parler après. Ouais, ça j'ai vu. Single-minded Fury, Dagzuki. Bon, tu vois, j'ai une question, j'en prévois il y aura pas longtemps. J'ai pris l'extension, c'est un problème. Je sais pas où démarrer pour un staff décent pour commencer. Le truc, c'est que moi, ça fait des années que je joue. L'expérience débutant. Ça dépend. Tu veux faire du PV ou du PVP? Saccagé, évidemment. Signature. Frénésie. Sur saccagé, signature. C'est mérité, signature, hein. Là je vous prends que les trucs indispensables. Cold Steel Hot Blood, ça c'est un retour d'Azerite de BFA. Avec une Gushing Wound, voilà. Qui te régène encore. Et vous allez en avoir de la régène, bande de salauds, les furies. PVE, il y a des experts en PVE, je suis sûr qu'il y en a dans le chat, qui peuvent aider ce monsieur. Marco dans le chat. Il vient de reprendre WoW, il est en stuff vert. Qu'est-ce que vous faites en stuff vert quand vous êtes un... Vous allez en donjon, non, les mecs PVE? Je sais pas du tout comment ça marche, le PVE. Je vous l'avoue. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller en donjon, non, c'est ça, hein. Il doit faire des normales... Enfin, des normaux, pardon, des héroïques. Et des mythiques, après, c'est ça? Vraiment, moi, le PVE, ça fait deux. Si c'était moi, je dirais, va en BG arène, mais... C'est même plus zéro, ouais. Donc... Héroïsme victorieux, ça c'est des trucs passifs, mais c'est toujours beau à prendre. Le Fandora Viande, que vous gardez. Cruauté. Titan's Grip. Donc vous pouvez jouer arme à une main ou deux armes à une main. À deux mains, pardon. Deux armes à deux mains ou deux armes à une main, je voulais dire. Racine Fury, les dégâts machin. Mastery. Ravageur, vous avez en Fury. Siege Breaker, d'accord. Et vous pouvez le booster ici, d'accord. Ouais, l'arbre de droite là pour l'instant, je sais pas. Briseur de siège est pas mal, mais on le joue pas actuellement en Fury sur SL. Attendez, je prends n'importe quoi. Du titan, ok. Là, on va dire qu'on augmente la poly. Là, vous avez le choix entre. Ah, ouais, ouais, ouais. Vous avez RA, le fameux talent qui permet d'avoir une mini charge sur les coups déchaînés et qui booste bien, bien le Fury aussi hein, actuellement en arène. Vous avez le choix d'être... Ah, Rage Mastery, nous on l'a là, en Arms, là je crois. Je crois qu'on l'a là, en Arms.
Et vous l'avez ici. Ouh, youyou, choix difficile, hein. Mais je pense que c'est rare, moi. Vous avez très fond la folie. C'est un conduit actuel. Tout à l'étranger, c'est un conduit furieux. Deux conduits. Ok, Alcazan. Ouais, regarde le chat, Marco, du coup. Moi, je connais pas le PV. Hein. Il te donne de bons conseils. Odin Fury, et évidemment. Talent mythique de Légion que j'adorais quand je jouais un peu. J'ai joué un petit peu Fury à Légion pour faire du World PvP. Je faisais pas trop d'arène, mais. Cadence de Fujeda, c'est un légendaire actuel. Là, vous avez Annihilator. Les auto-attaques avec une arme à une main ouais, augmente. Et augmenté. Et arme de poing. Les auto-attaques ont 15% de chance de balancer ton arme sur l'ennemi. Ok. Et Bloodborne. Les dégâts de bleed de dot d'Odin's Fury augmentés de 15%. Overall, je trouve Fury fort, mais moins. Après, j'ai un biais parce que je suis un main Arms, mais moins fun que Arms. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est fort, ça me paraît très très fort. Mais ça me paraît moins sexy que Arms. Ou Arms, je trouve que c'est de la folie furieuse avec tout. Mais Fury est très très fort sur le papier aussi, hein. Je vous le cache pas. Putain, on récupère quand même deux charges. Hein. On va, alors, n'oubliez pas du coup, le Warrior, quel que soit sa spé, aura plus de mobilité à Dragonflight. Je vous préviens les casters. Hein. Les casters et les ranges, quoi. Ah, il date encore. Et du coup, on aura deux putains de charges. Hein. J'avoue que des fois, c'est rageant quand un Locked Kite et tout. On aura deux charges, hein. N'oubliez pas. Hein. Est-ce qu'Odin Fury, c'est la même anime? Ouais, c'est la même. C'est la même, c'est la même. T'aimais? Le saccagé. Cadence de Fujeda, du coup. Bolt. Et donc vous avez. Est-ce qu'on peut parier? Est-ce qu'on peut double wall, du coup? Ah, bande de salauds! Paris et Regen en Rage, quoi. Putain, Forêt de Fury. Ça, je vous envie sur ça. C'est vraiment fou, ça. Vous aurez beaucoup, beaucoup de survie de Selfie, j'ai l'impression. Plus que Arms. Nous, Worms, on sera les énormes bourrins, comme le design d'époque. Hein. Les énormes bourrins qui mettent des patates gigantesques à l'épée à deux mains, quoi. Ou à la hache à deux mains, ce que tu veux. Avec des dégâts crit gigantesques. Quoi. On aura un peu moins de survie que vous, puisqu'on a perdu une Your Pain, autant vous que nous. Mais bon. On a perdu une Your Pain qui est allée sur le prot, on va en parler de toute façon tout de suite aussi. Mais overall, moi, je vous dis sincèrement, Arms et Fury, c'est de la folie furieuse. Voilà. Tout, il n'y a rien d'autre à dire en fait. C'est juste un peu moins fun, mais j'ai un biais de main arm, c'est tout. Hein. Peut-être que pour vous, les Furies, ça paraît très très fun. Hein. D'avoir Siege Breaker, Ravageur, toutes ces conneries là. Mais même les talents ultimes là, les ultis, je les trouve un peu moins fun. Il y a du passif, il y a. Là où nous, il y avait des trucs hyper sexy quoi en arms. Avec la Skull Banner, Bloodstorm et toutes les. Je pense que les deux sont forts, ouais. Je pense que la pari va revenir sur l'Arms Only, ça me paraît pas possible que le Fury ait deux walls. Sans parler d'injustice ou de jalousie, hein, mais ça me paraît vraiment très très fort. Mais... Oui monsieur, attends, je suis... Bisous, bonne sieste. Du coup, ça me paraît, ouais, je sais pas. Ça me paraît giga, giga, giga tanky. En plus, normalement, le Fury par design, c'est quelque chose de zerk, tu vois. C'est pas l'aspect ultra tanky. Normalement, arme sur le papier est quand même plus résistant qu'un Fury. Mais bon. Après, si vous devez avoir deux walls, ayez deux walls. Hein, je vais pas. Tant mieux. Hein, c'est... Juste ne soyez pas trop méta parce que j'ai pas envie d'être obligé de jouer Fury. Mais voilà. Il y a un Führer d'Odin boosté. Ah oui, on a parlé tout à l'heure. Alors. Prot, que j'adore aussi. Hein, qui est évidemment très niche en PvP. Mais j'en ai joué hein, de Prot jusqu'à 2200 MMR, je crois, à peu près. Cette saison, alors c'était pas, il y avait des compos difficiles, c'était galère des fois et tout, mais il y a de belles choses en prot. Et en fait, je pense que je suis assez exaucé, vous allez voir pourquoi. Le Fury qui va se full régène et parier et tout, non mais ça va être dingue. Hein. Alors regardez. Prot. Je viens d'arriver, ça paraît comment le War? Ça paraît très fou, hein. Ça paraît très très fou. Je vais mettre la VOD sur YouTube en fait, hein. c'est obligé. Donc Prot en fait, en réalité, si vous prenez les talents les plus DPS, ok, de gauche, et que vous prenez, alors,
Faut pas dire de conneries, si j'ai pas regardé en détail. Hein. Mais je crois que l'arbre le plus dangereux en prot en termes de dégâts, il est à gauche. Et au milieu. Là, c'est de la tankiness, je crois. Même pas sûr. Hein. J'ai pas regardé en détail, on va regarder ensemble. Hein. Si on peut continuer de jouer Fury en PvP, je... Ah non, mais ne cherche même pas. Arms, Fury, Meta, à Dragonflight. Si ça reste en l'état, je te le call direct. Ne t'inquiète même pas. Bon, je vous disais. Arms récupère In Your Pain. Spamable. Moi qui adore prot en PvP, déjà c'est cool. Ensuite on a une nouveauté avec un tout nouvel icône, Shield Charge. Le même spell que j'ai dans Elder Scrolls ou dans beaucoup de MMO PvP. Ah, on est d'accord, hein, Seb, c'est ce que je pensais. Vous avez une charge bouclier, les amis prot, et qui stun. Eh ouais, pour pile et tout. Et en fait, elle fait exactement l'effet d'une Stormbolt, elle stun pendant 4 secondes. Ben, si, la shield charge, tu... Oui, bon, oui, s'ils ont mélangé deux spells, la Stormbolt et la charge, bon, c'est pas grave. C'était pas un talent PvP. Tu confonds avec Dragon Charge qui dump. Qui est normalement toujours là. Je vous disais donc, si tu prends... Admettons que les talents PvP bougent pas. Épée, bouclier, sword and board. Je crois que la gauche, c'est des talents qui font des dégâts. Okay. Donc admettons, en revenge, devastate. Là, c'est des trucs équilibrés. Sudden Death, Shield Block, last... ok. Donc en gros, tu peux prendre Sudden Death, tu peux proc des execs en arms, en prot, en sachant que les exécutes de prot font plus mal actuellement. Je sais pas pourquoi, c'est à cause du PvE ou grâce au PvE. Je crois que c'est grâce au PvE. Donc admettons, tu prends Sudden Death. On va essayer de faire un prot DPS parce que vous savez que ça me fait rêver, moi. Parce que vous avez déjà masse outil de pile. Donc un prot DPS, tu prends double charge, Stormbolt. Attendez, mais du coup, tu peux prendre la spire, parce que c'est l'arbre de gauche. La chevalière. Attendez. J'ai quoi en DPS qui augmente les dégâts, là? La spire. J'ai cette merde aussi, là. Ah non, c'est arma de main, ça. Ambidextrie, non. Je vois que j'analyse en détail, mais c'est plutôt vers la gauche, il me semble. Toujours les trucs de dégâts. Tu prends la spire, c'est sûr. Tu peux prendre Massacre en prot, Rend, tu peux prendre Rend en prot si tu veux monter tes dégâts. Ou tu peux faire un build Thunderclap, moi j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop le gameplay Thunderclap. Oui, moi j'adore Exekia, c'est fun. Je vous dis, c'est pour ça que j'adore les 3 Warriors là, hein, sur le papier. Donc admettons, tu prends Lourde Répercussion, forcément. Quoique c'est une version différente. Peut-être plutôt Into the Fray, existe actuellement. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est fait pour booster Thunderclap en réalité. Thunder de partout ici. Thunder de partout ici. Peut-être que le prot il se joue avec des Thunderclap qui font d'énormes dégâts hein, en réalité. Tu peux prendre Spike Shield aussi. Ah ouais, bouclier avec des points. Rise for Impact. Ok. Vous voyez à droite en fait c'est pas que du tanky. T'es obligé de prendre Brace for Impact, augmente les dégâts du slam. Ok, regardez. Mountain King. Ah oui, ils vont pouvoir faire un MK. Les nains vont pouvoir jouer à Mountain King de Warcraft 3, littéralement. C'est pour ça que je vous dis Dragonflight, on retrouve de la flavor et tout ça. C'est très très cool, hein, de ce côté-là aussi. Alors attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Faire un prod DPS vraiment efficace en PvP. J'ai dit qu'il y avait encore le 7, parce que sans le 7 actuel, on peut pas jouer le prod PvP, ça pue la merde. Mais je crois que j'ai vu le 7 4 parts. Salut Polyox, ouais, je suis à la 3ème là. Mais je vais mettre la VOD sur YouTube de toute façon. Et tu l'auras sur Twitch qui va rester aussi. Alors attendez. Attendez. Si tu fais Brace for Impact. Merci Psycho. Merci pour le sub, merci beaucoup. Attendez. Tu peux prendre Spike Shield pour bloquer une attaque contre les melee cleaves, contre tous les melee, contre un rogue et tout. Là un rogue il se tue tout seul là-dedans, c'est des taunts permanentes. Hein. J'adore ce genre de sort, très, très Dark Age of Camelot, très Warhammer et tout ça. Regarde l'artwork du prod derrière en plus, c'est magnifique. Putain, mais je vous jure, je jouis sur les 3 spés quoi, c'est incroyable. Donc tu fais Spike Shield, Punition, évidemment, il y a Mastodonte encore. Oui, mais non, c'est un bait. Parce que l'exécute du prod n'est pas spammable, je crois. Attendez. Ah si, en fait, mais... Non, c'est quand Fury qu'elle est pas spammable alors. Comme aujourd'hui, d'accord. Même là, j'ai pas le talent punition pour tester.
Oui, du renvoi de dégâts, mais permanent en fait. À prendre contre Rogue, hein, si vous jouez un petit prot comme ça en BG, en arène, j'en sais rien. On verra ce qui va se passer. Donc vous prenez Spike Shield. Ouais, punition, c'est punition tous les jours. Parce que c'est Slam qu'on va booster, vous allez voir pourquoi. Vigueur concentrée. Ça, c'est le légendaire que j'utilise aujourd'hui en arène sur mon prot. Le Bulwark, c'est le légendaire dont j'ai oublié le nom. Mais ça booste la shield charge. Pas indispensable pour faire des dégâts. La shield charge, évidemment, si on la garde pour arène. Ça veut dire qu'on a 3 charges en prot PVP. Attention, on a 3 putains de charges. Réalisé. Double time, charge, ellipse. En fait, on a trop de mobilité en prot. Waouh. Ouais, après, je suis pas fan de Dao comme eux, Picsou, mais il y a eu des moments sympas, ouais. Attendez. Réfléchis. Oui, on a 3 charges. Hein. Shield charge, double time. Et on peut même leap. En fait, je peux pas guide un prot, je pense. Donc au milieu. Hein. Shield wall, bien sûr. Maîtrise de la rage. Réduit le temps de recharge d'avatar et mur. Ça, c'est 2 légendaires que j'ai sur mon prot que j'utilise pas trop. The wall. Il peut être très fort en arène aussi. Ou en BG. Donc Sudden Death, on a dit, pour proc des exés. Alors plus de dégâts en fait sur ton prot. Accès de rage, il est là. Aïe. Ouais, tu m'étonnes, Pixo. Bon, le set qui permet au prot de faire de gros dégâts, il est toujours là. Il est toujours là. Est-ce qu'il a les mêmes modifiers? Là, il a 200%. Ça va être une folie. Je vais jouer les 3 spé, moi, je crois, à Dragonflight. Limite, je vais pas jouer d'alt à Dragonflight. Je vais co-war et je vais jouer les 3 spé, quoi. Non, mais c'est fou. Donc, admettons. Into the Fray, ouais, il marche pareil. Là, j'ai stun avec ma shield charge. Ok, il passe à 100%. D'accord. Donc, à 100% en PVP, 200% en PVE. C'était trop, sinon on mettait des shield bash à 80k. Ça, c'est quoi cette merde? Shield Specialization. À la limite, contre une melee cleave, ok. Indomptable, très fort aussi. Très fort. Augmente la survie. Jusqu'au bout, non, je pense que c'est indomptable en PVP. Spell Block. Attendez, quoi? Attendez. Qu'est-ce que je lis là? Spell Block? Attendez, je prends un petit screen là. Je me frotte les yeux. Merci Picsou pour le sub, merci beaucoup. Je me demande parce qu'il est Main Warrior le directeur de Blizzard, c'est vrai. Attendez, le moment est solennel là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Bloque tous les sorts castés sur vous pendant 14 secondes. Il n'y a pas encore d'anime. Hein. Nom d'un cul dégarni, c'est pas possible. Spell Block. Mais moi je pense que c'est possible, c'est juste que ça a été étudié pour le PvE, c'est tout. Hein. N'oubliez pas que le prot c'est fait pour le PvE à la base. Et que c'est très peu joué en PvP. Mais ça veut dire que si t'es contre une RMP qui te combu, même pas, je sais pas, une Destrolock Frostmage qui te burst, tout le burst entier, presque, il le fout dans ton Spell Block. Et le CD est que de 2 minutes. Donc tu peux arrêter chaque go, quoi. Chaque putain de go. Non. Magnifique, ça. Ça coûte tous les sorts de soins alliés, je pense pas. Je pense que c'est against you, regarde le tout le type. T'as une subtilité. Non, c'est viable, Irus. Là, actuellement, prod DPS, c'est viable, je le joue déjà. De temps en temps. Mais spell block, ok. Pourquoi pas. Battle Scared Vétéran. Quand ta vie descend sous 35%, tu prends 5%. Ah, pardon. Non, c'est pas possible ce truc aussi. Hein. Quand ta vie descend sous 35%, tu prends 100% de dégâts en moins jusqu'à annulation. Et les soins reçus sont augmentés de 100%. Non, mais qu'est-ce que c'est cette merde encore? Oui, mais non, mais là, je pense qu'il y a un bug de tout le type. Sinon, jusqu'à annulation, tu l'annules jamais. Et on te tue jamais, en fait.
Qu'est-ce que c'est ce... Ça, encore une fois, les amis, ça a été étudié pour le PvE, hein, je pense. Et ça vient faire des folies en PvP, quoi. Ah ouais, je suis choqué. Hein. Arms, Fury, Prot. Ça va être vraiment, vraiment fort. L'expérience par le space. Oui, c'est ça, ça. Non, je pense pas que c'est un pourcentage, après. Battle Scared Vétéran. Oh, attendez, je vais ouvrir un petit paint. Je vais garder des screens des trucs les plus fous, parce que... C'est en train de me fracturer les yeux, là. Oh là 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 là. Je me fais un petit paint, là, que je mets de côté. Battle Scared Vétéran. On est dans un monde possible où les 3 spés seront méta en PvP. Hein. Nom de dieu de bordel. Attendez, je prends un petit screen parce que vraiment. Oui, je pense, c'est pas possible le 14 sinon. C'est. Attendez, laissez-moi mettre ce petit screen de côté. Hein. On va couper les têtes en PV avec Noir, je pense, oui, je pense. Ok, je suis assez choqué du prot. Mais globalement, on a tout vu. Ravageur, tempête d'acier, ouais. Donc en gros, si tu prends middle, et une partie à droite là pour augmenter les dégâts, et évidemment accès de rage. Hein. Ouais, il faut qu'il fasse les valeurs aussi, ça me paraît trop fort sinon. Attendez, mais le prot du coup... Le prot va avoir la pari du coup aussi. Donc le prot, il va avoir Shield Wall, pari, massacre, oh là là, rend. Donc en fait, tu vas faire masse dégâts et survivre plus que dans l'état actuel, quoi. Ah bon, Picsou, ouais, peut-être. Il va avoir Avatar, Spear. Bon, mais les amis, ça part sur les 3 spé. Hein. Je suis agréablement étonné en tout cas. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, donnez votre avis globalement, mais pour moi, Arms, Fury, Prot, extrêmement fort sur le papier. Sur le papier, c'est une alpha, c'est soumis à changement, ça peut changer. Il va y avoir des modifs peut-être, peut-être qu'on va être encore plus fort, je sais pas. Mais dans l'état actuel de ce que je vois, accrochez-vous. Oh là 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 là. Ouais, ça va bouger. Peut-être qu'on sera encore mieux, peut-être qu'on va se faire nerfer des trucs. Voilà. Vous liez, je suis en train de vous lire en face des fois. Même pas hashtag un healer. Non, mais après les healers, vous allez avoir plein de tools aussi. Il faut mettre ça en comparaison. Et voilà. Vous avez de très beaux outils aussi, les heals qu'on a vu pour l'instant. Ouais, franchement. Je pense qu'on va conclure le stream Alpha Dragonflight Warrior sur ça. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi. Alors, vite fait, s'il y a des nouveautés dans les collections. Pas de tabar PVP. Pas de. Non, ça c'est S4. Je crois qu'il y a Cud pour l'instant. Putain, franchement. Ouais, je vois pas de nouveauté après. J'ai pas l'impression en transmo. Ça a été déjà, je crois. Enfin voilà. Les amis, le Warrior a l'air d'être en bonne santé sur Dragonflight, en tout cas sur le papier. Tiens, plus que jamais quoi. Si je tape Glad, est-ce qu'il y a des trucs Paf. Il y a toujours le Drake Glad, ok. Même modèle qui est très cool aussi. Hein. Ouais, j'espère qu'ils vont pas nerf à l'âge des trucs, on va voir. On va voir. Les amis, je vais couper sur l'alpha. On va faire un tour sur Retail parce que c'est la nouvelle saison aussi, saison 4.
qui change rien en PvP hein, en soi. Mais je pourrais peut-être commencer à faire du conquest si j'ai des mates. On va les demander un petit peu, voir si je sais déjà avec qui aller faire de l'arène. Ouais, Exekias. Non mais vraiment, je suis très très hypé. Hein.